niye minaishi muhangi. Kisha tukwenda kushamba na bwanangu. Joto wakuta wale babandi. Bakanje wa bwana. Kwa wakushu wa bwana wakanifiole. Bamigi siku juwaka wale bangapi nikazimia basi. Lakini mna kwa violeta na mna kwa na ukimu. Ok, fidèles auditeurs et auditrices, vous êtes les bienvenus à notre émission Parlons-en sans tabou. Quant à ce qui concerne notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler des motifs qui empêchent les victimes de dénoncer surtout les violences sexuelles. Les gens pensent que c'est comme ça. Et parler à une femme que vous êtes l'égal de l'homme, elle ne comprend pas non plus. Il y a des gens qui se cachent. Il y a la crainte de la stigmatisation dirigée par la famille, les proches et les conjoints. Nous souffrons avec elles, mais ils ont besoin d'être écoutés, d'être compris. Très peu de cas arrivent au jugement final, c'est vraiment très peu. Donc il y a un blocage, il y a une impunité vraiment notoire qui se fait sentir. Les femmes ont peur de dénoncer devant leur mari pour craindre d'être répudiées. Il y a donc une culture d'immoralité qui est déjà dans les têtes des gens. Les gens sont devenus des chez moi. 4 appels, 5, 5 appels, 6 appels. C'est cette éducation qui modèle cette femme qu'on veut en société ici et cet homme qu'on veut en société ici. Donc l'éducation sont tout à fait différentes. Là, on va continuer à sensibiliser, on ne sera pas fatigué parce que notre souci est que nous vivons dans une société des droits.